coup, quel montage tu vas utiliser sur cette pêche? Là, du coup, je vais me focus sur essentiellement des montages en dérig. Normalement, j'utilise surtout des IQ et des combi-rigs. Malheureusement, il n'y a pas le droit à la tresse. Donc déjà, ça m'enlève le combi et les IQ. Il n'y a plus de crank en Kamakura quand j'en ai pris. Et je veux vraiment des hameçons qui soient ultra piquants. Du coup, je me suis dirigé sur des dérigs qui vont être un petit peu plus adaptés pour moi sur la forme des white gap. Donc là, j'avais commencé sur une canne donc avec une bille que j'ai un petit peu taillée, comme on peut voir, avec un triple corne M rose de chez Rock. Comme ça, ça va bien équilibrer et puis ça fait une présentation qu'on retrouve pas beaucoup. On va dire que ça fait quelque chose d'assez spécial. Donc potentiellement, ça peut intéresser des carpes qui sont un petit peu plus importantes, des un peu plus gros sujets, donc ce qui va être obligatoirement le but dans la vidéo. Après, je vais mettre donc sur ma deuxième canne une demi-bille avec une demi-pop-up. Donc je vais vraiment rester sur des présentations qui vont être équilibrées pour en fait que ça vienne beaucoup plus facilement dans la bouche de la carpe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Après, la troisième canne, je vous y montrerai tout à l'heure, j'ai une canne que, on va dire que c'est une canne bonus qui va tourner au fader, donc que je vais relancer assez souvent avec des petites zèches. Et le but, ça va être de vraiment créer un tas de micro-particules très légères qui peuvent être facilement assimilés par les carpes. Malheureusement, il y a beaucoup de tanges, donc ça va être une canne qui va assez souvent bouger, qui va faire assez régulièrement du bruit. Mais si le poisson veut, ça peut vraiment bien jouer. Donc bon, on verra ça. Bon, du coup, Bastien, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ? Alors là, du coup, je suis en train de vérifier un petit peu ce qu'on m'a dit. Donc j'ai pris, bon voilà, c'est ma canne à spoder, mais c'est surtout là dans l'utilité de sonder. Donc on m'a expliqué comme quoi, en face de moi, il y a une espèce de petite pointe en fait sur l'étang. Et cette pointe-là, donc c'est ma limite que je vais pêcher avec grand plaisir, car le poisson, il passe très régulièrement. Et en fait, ça fait des gros cratères, et ce que vraiment on est en train de sentir au niveau du sion de la canne, ça gratte énormément. Et c'est pas du caillou, c'est vraiment des gros cratères là où les carpes passent. Donc là, on peut voir que c'est quasiment la fin. Et en fait, justement, ici, c'est là où je vais avoir ma canne qui va pêcher comme méthode feeder. Donc en fait, je vais essayer de trouver l'endroit qui me paraît, selon moi, le mieux pour faire du poisson, en sachant que je vais laisser quand même un minimum d'ouverture pour qu'en fait le poisson puisse circuler pour aller jusqu'à ma canne du milieu. Donc jusqu'à ma deuxième canne qui, elle, va pêcher beaucoup plus en bordure, vraiment en plein milieu de mon poste. Bon, du coup, Bastien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, du coup, pour commencer ma pêche sur la canne au feeder, j'ai décidé de mettre 10 pods, en fait, donc sur des boules de farine, sur des boules qui sont quand même un minimum importantes, en fait, pour vraiment créer directement une attractivité sur mon cou. Et cette canne-là qui va être reposée, donc je pense, toutes les 3 heures pour à chaque fois relancer une activité, relancer de la cam en fait tout le temps à l'eau pour avoir un coup qui est vraiment très actif. Et c'est la canne en fait qui est vraiment sur la toute fin de mon poste, tout à gauche, où celle-là en fait ça va être un poste qui, à mon avis, va être partagé avec le pêcheur du 9 quand ils vont arriver, parce que c'est un poste qui est vraiment très prisé. Et celle-là en fait c'est vraiment une canne, on va dire, bonus. Et en fait, l'avantage de mettre du spot directement d'entrée, c'est que après, pendant 72 heures, je vais plus du tout en mettre. Je vais plus du tout mettre un spot à l'eau. Et là, vraiment, dans ma anse où il y a encore moins d'eau, là, c'est vraiment que du cobra. Donc, on peut le voir, j'ai quelques billes. Déjà, là, j'ai 5 kilos pour commencer tranquillement pour mes deux cannes. Donc, là, ça va vraiment être histoire de commencer tranquillement. Et j'espère que la technique va être payante, étant donné qu'ensuite je ne vais plus mettre du tout un spot à l'eau. Même si ça déroule, etc. L'avantage du feeder, c'est que ça va être toujours une pêche qui va être très active. Et c'est quelque chose où j'aurais pas besoin de remettre du spot. Par contre, en en mettant d'entrée, c'est que je crée directement une tache en fait de farine que je vais plus pouvoir réellement poser par la suite. Et en fait, j'aurai déjà un coup qui sera très très attractif. D'ici, je dirais 3-4 heures, il va commencer déjà à bien travailler. Et ça va être vraiment un très bon point. Bon bah là les gars, première on va dire vraie touche sur la canne au feeder. Alors on va voir, soit c'est une grosse tanche, parce qu'ici je les connais, les petites malines, elles arrivent quand même à décoller les plombs. Et bon bah, la canne là, elle déroulait.
Donc on va bien voir sur la Cano Feeder, après avoir enchaîné, je crois, de souvenirs 6 carassins, sans compter tous ceux qui ne se sont pas piqués. Donc ça pourrait être cool que les carpes commencent à rentrer. Quoi ? Bon les gars, un carassin, étonnamment. Et je pense savoir pourquoi autant qu'on m'a tué. Donc on peut voir, donc c'est même sûrement un brochet qu'il a pris. Parce que alors là, on peut voir qu'il a été bouffé là. Ici. Alors attention, parce que quand on retourne de l'autre côté, voilà, c'est pas beau à voir. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est passé quelque chose d'assez bizarre, que je trouvais ça assez gros. Mais ouais, ça devait être un joli brochet pour avoir pris une bouchée comme ça quand même. On peut vraiment y voir des grosses coupures en fait. Donc bon, c'est assez spécial. C'est honnêtement, par un brochet qui chope un carassin, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc bon, faux espoir. Mais bon, c'est pas grave, on va le remettre à l'eau en espérant pour lui qu'il se fasse pas bouffer. Bon les gars, on arrive sur le coup donc des 18h, donc Cano du milieu qui vient de faire une petite touche. Et là on est enfin sur un vrai poisson, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Si ça veut jouer, ça peut vraiment être assez sympa. Elle décale, je vais baisser le rod pod, les sions dans l'eau, histoire de bien la faire passer. Mais là c'est franchement très très appréciable d'avoir déjà la première touche, je ne m'attendais pas à la voir aussi vite, encore moins en plein après-midi. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Bon les gars, voilà, donc un petit peu avant 18h, la première touche, donc ça fait vraiment plaisir, bon, vraiment pas du tout le plus gros poisson du furet, mais bon, premier poisson qui est déjà rentré sur les bouillettes spicy de chez JC Product. Donc c'est des bouillettes que je suis en train de tester, parce que pour moi il y a vraiment quelque chose de bien à faire avec. Et on peut voir qu'après déjà quelques heures de pêche, oula, sur un planteau quand même réputé assez difficile, la première est au sac. Donc bon, maintenant il faudrait en faire une qui fasse au moins 10 kg de plus, et là ce serait bien. Donc bon, on va faire quelques photos et puis on va la remettre à l'eau. Bon les gars, voilà, on est le deuxième jour, il est quasiment 21h et un deuxième poisson qui est venu se joindre à la partie. C'est toujours pas le poisson attendu, mais ça fait bien plaisir. Donc une petite boule pleine d'énergie qui veut pas se laisser faire depuis tout à l'heure. Donc bon, on voit que ce qui a été construit pour le moment, ça commence à payer, malheureusement vraiment pas sur les poissons attendus, mais je me dis que le moment où ça va tomber vraiment un vrai poisson. Donc bon, c'est plutôt cool, on fait quand même quelques touches. Après, moi cet hiver, j'étais venu, j'ai bouffé une semaine capot. Bon, ça fait bien plaisir, là on était chez le voisin, on l'aide à se mettre en place parce qu'il est arrivé un petit peu tard. Et l'ami, il a quand même quelques kilos à mettre au spot, donc c'est plutôt cool. On va s'empresser de remettre ce petit poisson furieux à l'eau. On va essayer d'enchaîner un autre poisson, un petit peu plus gros cette fois-ci. Boum, midi et demi, fish, pins. Bon les gars, donc là on est le troisième matin de cette session, donc on vient de passer la troisième nuit. Et un joli poisson avec quelques beaux écaillages qui est venu se joindre à la partie. Donc bon, j'ai encore un petit peu la tête dans le cul, je suis un peu fatigué de la nuit. Malheureusement, j'ai fait une décroche à
5 mètres devant l'épisode cette nuit sur un beau poisson. Donc c'est vrai que je l'ai un peu mauvaise, il faut l'avouer, mais bon. Un poisson avec un joli écaillage qui est quand même venu me rendre visite pour me remonter le moral. Une toute petite linéaire, mais bon, ça fait plaisir. Un poisson qui fait dans les 9-10 kilos encore. Mais bon, c'est toujours pas le poisson recherché, donc on va s'en passer de remettre à l'eau.